occupez à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'en Montée-Mécanique, on vous l'a peut-être dit, 46 emplois, et directement sur une commune comme la nôtre qui a 470 habitants, nous avons 4 employés communaux, une secrétaire de mairie à plein temps que nous avons présentement. Le premier avantage, c'est d'avoir fait travailler des gens des villages. On a embauché 5 personnes supplémentaires pour construire ces appareils. Il y a le côté financier qui est pas négligeable au niveau du coût d'opération, de montage et génie civil, puisque nous avons tout fait. Collectivité locale, on fait un investissement tout à fait énorme, aussi bien au niveau d'un remontée mécanique, avec le nouveau domaine skiable de la Repose. Combien êtes-vous de moniteurs ici? On est 19 moniteurs permanents et on arrive à tourner entre 30 et 35 en période de vacances. Alors s'il n'y a pas de neige, vous les renvoyez chez eux? Non, on espère toujours qu'il va neiger d'un moment à l'autre, mais pour l'instant on essaie de les garder tous, c'est évident, en organisant des balades hors piste, des balades raquettes, des skis de fond, etc. 50% en dessous du chiffre d'affaires normal, ce qu'on fait l'année dernière, à cette époque. Hein. Manque de neige. Il n'y en a pas du tout en bas. Heureusement, on peut tourner sur la partie haute de la station.